Ah bon, ça fait longtemps. Le Psychonaut là. Ah, la manette ne fonctionne pas. Peut-être parce que je suis pas sur la fenêtre. Voilà. Ici, ça sera plus calme. Voilà. Bon, ça fait très longtemps entre la partie 1 et 2 pour les curieux. J'ai lancé trop de jeux entre deux. Et donc c'est pour ça, là, on va s'attaquer. Je les ai terminés. On enchaîne, on reprend Psychonaut tranquillement. Psychonaut, je sais qu'on dit pas le P, mais j'ai cette maladie, donc tant pis. Donc voilà, on va continuer la partie entamée. Parce que de toute façon, il y en a qu'une seule, vu que entre deux, j'avais désinstallé le jeu. Et les sauvegardes sont pas sur le PC, semblerait. Ça les a supprimées. Peut-être que j'avais fait le jeu à l'époque où j'avais pas de SSD aussi. C'était vraiment un accident. Ah, on peut tabasser les Ok, piafs. ça, tu l'avais cherché. Donc, on venait de débloquer la magie du feu. Avec R. Et pourquoi elle se lance pas? Eh ben, j'en sais rien. Ah, parce qu'il faut focus un truc qui peut brûler. Il nous fallait de la thune pour avoir l'aspiratoile. Je me souviens à peu près, hein. Il nous fallait les cartes. Bon, les cartes, il faut une pile. J'appelle ça une pile d'énergie, mais voilà, pour la débloquer. Il nous en faut 9 plus 1 pour avoir un machin psy, là. Et voilà! On est bien. On va aller au cours suivant. On avait juste fait le premier. On avait été voir bah lui, là, le vieux. Oh, si tu essaies encore ça, je vais fabriquer un canoë avec ta peau. Comment on lui parle? Hey, J'ai Monsieur oublié les Connor, boutons. je peux prendre un canoë? Monsieur qui? Il faut m'appeler Amiral, petit. Et non, tu ne peux pas prendre de bateau. Pas sans un badge de rameur. Il me faut un badge de rameur. Si tu essaies encore ça, je vais fabriquer un canoë avec ta peau. Si tu essaies encore ça, je vais Ah oui, non, il dit fabriquer tout le un temps la même canoë chose. avec ta peau. Ah ouais, là il y a les mecs, donc forcément ils m'attendent dans le coin du quartier. C'est quoi ce truc rond là sur le quai? Ce truc? Oh mec, je vais te dire ce que c'est que ce truc. Ce truc, c'est pas tes affaires, du gland. Ah, petit du gland gratuit. Oh, pas question. Attends, si je les tape, ils poussent. Trop drôle. Attends, je vais tenter l'hitbox, hein. Oh, pas question. Ah d'accord, c'est eux qui ramènent le poisson à chaque fois. Regarde le gigot. Ouais, voilà, donc à chaque fois ça fait ça. Donc on peut pas passer par là. Ah, y'a un truc là. Comment on déterre? Triangle, ok. C'est le temps que je me remette les boutons en tête. Ça va être. Ça, c'est une épreuve. En gros, entre deux, pour les gens de la VOD, entre deux, j'avais fait Chameleon Twist 1. Donc, oui, on avait fait le 1 en live, mais on a perdu la VOD. Parce que Twitch à ce moment-là est décédé. Ah, je suis vraiment en mode Banjo-Kazooie. J'ai fait Banjo-Kazooie où j'avais changé les touches. Où j'avais dû configurer les touches d'une façon spécifique. Pouvoir jouer. Et donc la caméra, je l'avais mis genre sur rond et triangle. Et donc là, je suis en train de titiller rond et triangle pour bouger de caméra. C'est pour vous dire. À se remettre en Klao. Ça va me forcer à utiliser la caméra manuelle. Je vais me mettre en tête que la caméra c'est avec ça. Voilà, on a fait les deux Chameleon Twist, on a fait Banjo-Kazooie qui a eu au moins une dizaine de streams entre deux. Ah voilà. Si tu fais ça, c'est dangereux. Et je suis vraiment c'est terrible.
pas de l'attendre ça? Ah oui, non. Trois fois tu te fais bouffer. Ok. Attends, non, j'ai pas perdu tous les trucs que j'ai ramassés. Je vois, il y a celui-là qui est là. Je l'avais ramassé, non? Ah, j'ai peur. Attendez, on va juste retourner là. Je l'avais pas ramassé, je l'avais oublié. C'était pas vers lui que je me dirigeais. Ah non, c'est bon. Ok. Bah, en gros, le chemin, il est par là. Hein. Tous les quais. Enfin, les différents petits bateaux, là. Des barques? Ouais, c'est des canoës. Qu'est-ce qu'il a, lui? Chut. Hey, c'est de la pêche psychique. J'ai lu quelque part que... Oh, je ne pourrais jamais pêcher. Ça serait terrible. Les gens normaux peuvent aimer pêcher, je pense. Mais pas moi. J'entends tout ce que pensent les petits poissons. Les poissons pensent? À quoi? Bah, normalement à rien. Mais aujourd'hui, ils ont tous la trouille. Ils ont peur d'un truc qui est dans le lac. Moi aussi. Maintenant que je sais qu'il est rempli de poissons pensants... Il y a un truc énorme et effrayant là-bas, Raz. Je me demande si les vieilles légendes sont vraies. Qu'est-ce que tu fais? Chut. J'essaie d'écouter ce qu'ils disent. Hey. D'accord. Bah, écoute les poissons si tu le veux. Hein. La poiscaille. Ah, mais comment j'y vais, moi? Ah, je peux pas. Hop, et je me fais bouffer devant la prof. Donc, il y a sûrement un truc, il me faut le permis, le badge, je sais pas quoi, pour avoir un bateau. Première énigme. Excusez-moi, amiral. Hein? Où je peux avoir un badge de rameur? J'ai vraiment envie de prendre un canoë. Il faut l'obtenir auprès des responsables du camp. Je ne prends pas n'importe qui dans mon escadre. Excusez-moi, c'est qui le responsable? Hein? Où je peux avoir un badge de rameur? J'ai vraiment envie de prendre un... Ok, répète. Il me faut un badge de rameur. Je pensais que je pouvais y aller en mode plateforme, mais pas du tout. Ça se trouve, c'est un truc que je dois acheter à la boutique, mais j'en doute. C'est quoi ça? C'est un raccourci vers où? Entrée de la zone CPG et la nature? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bled? Alors là, ça va être la VOD où je suis complètement perdu. Faut vraiment que j'avance. Donc je ramasse toutes les pièces qu'il y a par terre. Alors que je pourrais y aller directement avec le recherche machin. D'ailleurs, c'était quoi la touche? Ça, c'est start. Ça, c'est la vue. Utiliser machin pour appuyer sur LR pour affecter le pouvoir sélectionné. Oui, bah ça je l'ai. Ouais, ils sont là. J'ai le bouton de Sacha qui pour le moment me sert à rien. Ah, mais si, il m'a dit de venir le voir. Mais c'est lui que je dois aller voir. C'est pas le badge de rameur qu'il me faut. Ah, je crois que je me suis emmêlé dans ce que je devais faire. C'était toi? Qui me regardait? Tu devrais arrêter de te prendre pour le nombril du monde. Il y avait plein d'autres gens sur la scène en dehors de toi. Non, à l'instant.
dans les bois. Non, ça ne devait pas être toi. Tu ne sens pas les lentilles d'eau. Ah, tu devrais rédiger des cartes d'anniversaire. Il y avait une espèce de créature bizarre là-bas, qui rôdait. Observez. Je ne connais qu'une seule créature correspondant à cette description. Elle se cache dans les endroits sombres, observant discrètement à distance les enfants de la colo sans qu'ils le sachent. C'est vrai? Qui? Toi, gros bêta. C'est pas faux. C'est vrai qu'on est le plus gros stalker de tous les temps. On se ramène, on va voir tout le monde, on parle à tout le monde sans leur demander leur avis. Non, c'est pas vraiment du stalkage, mais voilà. Perso de JV, c'est quand même les pires. Suffit de jouer à Pokémon ou à n'importe quel jeu. Pas vrai? Eh bien, à vrai dire, je suis l'entraînement avancé maintenant. Alors, je pense qu'on peut peut-être arrêter de m'appeler le nouveau. Attends un peu. Tu ne fais pas l'entraînement avancé que Sacha Nine enseigne dans son labo secret souterrain, hein? Caché tout au fond des murs de la CPG pour que personne ne t'entende crier? Ben, si, c'est ça. Nom d'une vache. Ben, adieu alors. Ce petit nom d'une vache. On va aller directement le voir. On fera le tour du camp une autre fois, fin de la zone. J'essaye juste de ramasser ce que je vois vraiment comme ça là. J'ai vu Nils regarder par un trou dans la cabane. Hé, Elka, pourquoi tu n'emmènes pas tes petites lunettes mater les affaires privées de quelqu'un d'autre? Hé, Duncan, j'ai un secret pour toi. Nils. Hé, hey, dites donc! C'est grossier, les messes basses. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Duggan? Je me cache. Et j'ai pensé... Oh, Nils, quand vas-tu regarder dans le trou de mon cœur? Parce que tu te verrais te regarder. Il y a un gamin qui pleure. Manger un de mes bras. Et quoi? C'est quoi ce truc? C'est une CPG, une chambre de psycho-isolement géodésique. Hé, hey, mec, c'est cool. Cool? As-tu la moindre idée de ce que ça fait? Un truc cool? Non. C'est un caisson de privation de sixième sens, une boîte métaphysique hermétiquement fermée, un confinement solitaire pour psychique. Pas cool. Et le coach t'y a enfermé? Non, l'équipe n'y met plus d'enfants depuis les années 50. C'est Bobby qui m'y a mis. Brut et Nabo complice de voir seulement attaquer même taille ou plus grand. Quand toi donc, glacière, toi pas avoir vu ours géant avec peau à la place des poils? Je n'ai rien vu là-dedans. C'est l'intérêt du truc. D'accord. Vide maintenant. Bonne chance, petit. Hé, hey, attends! Oh, la place de poil. C'est là-dedans. On dirait qu'il manque un bouton. Bah tiens. Mince. Eh. Agent Nine, c'est ici l'entraînement avancé? Bah j'ai bien fait de regarder mon inventaire. Parce que sinon j'aurais essayé à l'infini de trouver un truc de pêche là. Oh, alors, quel qu'on sac ici? À tordre des cuillères? À brûler des trucs? Hop.
tellement faire le double saut tard et faire un saut qui va à 100 000 km. En fait, je me croche avec les petits livres là. Je vais mettre là-dessus. Non, mais... Je sais pas s'il s'est fait éjecter ou si j'ai glissé. On va aller à l'étage 1. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Ah, ça c'est l'entrée, donc il n'y a pas le choix. Attends. Si je bouge pas, il glisse pas. Ok, bon bah c'est moi qui suis un sac. Voilà. C'est quoi ça? Fossile. Bah pourquoi pas. On sait jamais, ça peut servir. Hein. Petit fossile. Comment il glisse? C'est stylé. J'ai beaucoup entendu parler des explosions de tête et je me demandais... La science, Rasputin, voilà ce qu'on étudie ici. Pas ces bêtises. Si tu as vraiment envie d'explorer les capacités de ton cerveau, approche-toi du tour mental et nous commencerons. Le tour mental? Et le tour mental. Alors? À quoi sert ce sèche-cheveux? Ah, tu es prêt pour le tour mental. Cet appareil peut t'envoyer au fond de ta propre psyché, où tu trouveras une intuition et des pouvoirs sans égaux. Excellent. Tournez manège. Bon, détends-toi. Ça ne fait pas mal. Sauf si quelque chose de très grave arrive. Waouh. C'est à ça que ressemble l'intérieur de mon esprit? Pas encore. Tu voyages toujours dans le plan astral. Voici un petit bout de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. C'est un endroit auquel tous nos esprits inconscients sont reliés. Tu viens de commencer ta formation, Rasputin. Alors un grand nombre de connexions avec d'autres esprits sont inactives et ces portes te restent inaccessibles. Mais plus tu exploreras l'univers mental, plus tu créeras de connexions. Pour l'instant, le seul monde inconscient qui te soit ouvert est celui-là, le tien. Entre-y et nous continuerons. Oui, donc de mémoire, ça, c'est un peu le raccourci pour refaire tous les niveaux à 100%. Tu vois tous les mondes et tu vois s'il te manque, par exemple là, les bagages, les coffres, les toiles ou les... je sais même plus comment ça s'appelle ça, les petites ombres. On va regarder. Comme ça, je dirais pas. Je dirais pas n'importe quoi. Bah, vu que je suis pas dans un monde, on saura pas. Surprise! Rasputin, tu me reçois? Sacha? Je suis où? Tu es dans ton propre esprit, mais je ne sais pas où. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je vois une vieille roulotte de gitan. Tu la reconnais? Ouais. C'est là que je suis né. Je vois. Fascinant. Fascinant. Hop, on ramasse juste celles qui sont là et on va regarder le nom. Ah, ce petit son incroyable. Mais viens là, toi. Paf. La fille de Rasputin. Elle était tout en haut. Sora est née dans une roulotte de gitan. Paul Daron, il est stylé, hein. Oula. Pouah. Il l'a chevauché debout. Ah, c'est des bribes. Il y a écrit en haut à droite. Pas besoin Sacha, d'aller dans le menu. Je vais entrer dans la roulotte. Y a-t-il à l'intérieur? Heureux d'ailleurs des fûts. Je ne sais pas.
ça devient flou. Rasputin, est-ce que ça va? Que vois-tu maintenant? Je vois une petite chose qui ressemble à un lapin. La présence d'un animal peu familier dans un rêve correspond souvent à une peur primale ou à un souvenir. Suis-le, il devrait te mener à un endroit important. Compris. Ok, monsieur le lapin. Toi et moi, on ne fait plus qu'un. Partout où tu vas, je vais. Comme deux doigts d'une seule... Hey! Reviens ici! Cette musique... Attends, je ramasse les bribes d'abord, hein. Fla fla. Le poulet qui court. Ok. Bon, pour le moment, ça va. De toute façon, vu qu'on n'a pas l'aspiratoile, faut pas trop chercher à faire le 100%, quoi. Faut chercher à ramasser le maximum. Parce que sur le premier monde, j'ai essayé de tout ramasser et je me suis rappelé que voilà. Je pouvais pas tout faire et donc peut y avoir des bribes qui sont inaccessibles. Ah, j'ai eu un message. Bon, c'est pas grave. Sacha ? Qu'y a-t-il ? Un autre lapin ? Non. C'est plutôt du genre démon super effrayant aux yeux flamboyants. Oh. Quoi ? Très bien. Je vais te sortir de là. Laisse-moi juste une seconde. Sacha ? Attends, il y a toujours des interférences bizarres. C'est fascinant, comme si quelqu'un d'autre était... Agent Nine ? Désolé, c'est presque prêt. Sacha ! Ça n'est pas normal. Il faut qu'on réessaye. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que je reparte dans le tour voir ces trucs aux yeux brillants. Comme tu veux. Tu sais, dans de nombreuses sociétés tribales, triompher des monstres qu'on voit dans les rêves est considéré comme un rite initiatique. Je peux t'apprendre à te battre. Reviens me voir quand tu seras prêt. Ah d'accord, j'avais reçu un message sur mon tel. Tac tac tac. Ah, qu'est-ce qu'il me dit lui? Oui. Ok. Je suis prêt à apprendre comment vraiment me battre. Oh, vraiment? Quoi? Rien. Mais je ne m'attendais pas à te voir accepter ma proposition. Généralement, elle fait peur. Ben, pas à moi. Je suis prêt à tuer pour le camp. Écoute, désolé, mais je ne peux pas te former. L'agent Vodello me tuerait. Où est le problème? Il suffit de ne pas le lui dire. Tu n'as même pas de permis d'apprenti tireur d'élite. Je risque ma place. Je vais le chercher. Même si tu utilisais ce passage secret là-bas pour te glisser dans son sanctuaire, l'agent Kruller ne te donnerait jamais un permis d'apprenti tireur d'élite. L'agent Kruller. Pas la moindre chance que... J'y vais. Je reviens dès que j'ai parlé à l'agent Kruller. Ah bah voilà. Où voulez-vous que je vous amène, agent Kruller? Allons chez Ford. Enfin, je veux dire, à mon sanctuaire. Oui, noble psychomètre. Tac. Qu'est-ce qu'il y a là? Peut-être juste une autre entrée, mais je veux juste voir, c'est une tronche de fossile. Vu que j'en ai eu un. Ah bah non. Pas du tout. Faudra que je vois à quoi servent les objets, tout ça. On va faire le truc, truc de tir. Peut-être que pour la licence de tir, je vais peut-être monter... Alors, que donne l'entraînement? Sacha dit que je dois apprendre à mieux me battre. Il veut t'enseigner le combat avancé?
Dès le premier jour? Ouais, j'ai eu une vision. Un gros monstre avec des yeux jaunes et une grande bouche pleine de dents qui grinçaient. Est-ce qu'il t'a craché quelque chose dessus? Ouais, ça ressemblait à un casque de scaphandrier. Je vois, oui. Eh bien, il vaut mieux qu'on t'arme. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Prépare ton esprit. C'est ça, la devise des psychonautes. Tiens, c'est un permis d'apprenti tireur d'élite. Il ne marchera que dans l'esprit de Sacha. Après avoir suivi son cours de tir, tu recevras le badge officiel et tu pourras faire du tir psy partout où tu le voudras. Merci. Du tir psy? Ah, tu verras. Maintenant, Phil, on ne peut pas laisser des monstres cracheurs d'ordures à gros yeux envahir le camp, pas vrai? Non, chef. Ben voilà. Je ferais mieux d'y aller. J'ai plein de choses à faire. Bonne chance, Rasputin. Il suffisait juste de lui parler, c'était bon. Où voulez-vous que je vous amène, agent Kruller? Rapprochez-moi de la chambre de psycho-isolement géodésique. Reçu, ah là, là, c'est non. Kruller. J'ai vu Nils regarder par un trou dans la cabane des... Hey Lily! Tu vas à l'entraînement avancé? Tu as l'air pressée. Tu plaisantes? Je n'ai que quelques jours pour devenir psychonaute, ou je ne le serai jamais. Écoute, Raz, je ne voudrais pas briser tes rêves, mais les psychonautes ne sont plus ce qu'ils étaient. Les choses ont changé. Tu sais, le monde n'a plus besoin de nous. Le monde a trop besoin des psychonautes. Surtout ici, dans cette colo, en fait. Je crois qu'il se passe des choses louches qui méritent une enquête psychique. Tu es si immature et mignon. Quand est-ce que tu vas la fermer et m'embrasser? La fermer et quoi? Oh, je ne savais pas que tu... il faut que je file. Salut. Oh, j'ai trop la honte. Mais... Plus le temps pour l'entraînement, la fonce dans sa chambre, mon gars. Hit de Rimou. C'est la femme de ménage. Je vais ranger ces dossiers dès que j'en aurai fini avec ces tests. C'est moi ça. je vais ranger. Je fais juste un truc avant. T'inquiète. Ok, je l'ai. Regardez. Excellent. Bon, là, je suis couvert. Tu es sûr de vouloir essayer? Ça pourrait être dangereux. Oui. Vous allez me faire entrer dans votre esprit comme le coach? Je l'aime bien, mais il est temps que tu vois à quoi ressemble un esprit organisé. Bienvenue dans mon esprit. Il est tout vide. Je veux dire... Il contient bien plus que ce que tu vois, mais j'ai appris à tout contrôler strictement. Et c'est ce que je vais maintenant t'enseigner. Le contrôle, tes sentiments, tes peurs, ta colère, tu vas apprendre à les contrôler, les gérer, les concentrer et les libérer. Comme thérapie? Non. Comme puissance de feu. Suppose que quelque chose de vraiment horrible te saute dessus, quelque chose de si laid qu'il faille vraiment le tuer. Ah, oh, quelle horreur, je ne peux pas poser les yeux dessus, mais je contrôle mon dégoût, je le gère, je me concentre et le libère. Et le monde se porte mieux. À toi. Bien joué, Raz. À la aise. Excellent. Le bongo a triomphé. Tu dois maintenant augmenter ta précision de visée. Suppose que tu aies affaire à plusieurs agresseurs. Mais tu dois les éliminer dans un certain ordre. Débarrasse-toi de ces monstres dans l'ordre approprié et nous passerons à la leçon suivante. Présume du plus petit au plus grand ou l'inverse? Ah non. Je les tire, Raz, mais tu rends les choses encore plus difficiles qu'elles ne sont.
Tu dois t'entraîner à verrouiller ta concentration. Cela facilite beaucoup la visée et les manœuvres d'esquive. On réessaye. Et cette fois, verrouille ta concentration. Mais il veut quoi que je verrouille Allez, concentre-toi. Réessaye. Mais je verrouille là. Allez, concentre-toi. Réessaye. Bien, encore, bien, encore. Ah oui, d'accord, non, c'est juste que j'allais trop vite. Est-ce ça que tu as vu dans ta vision ? Eh bien, ça avait l'air beaucoup plus gros dans ma tête. Ah, souvent, les problèmes paraissent plus grands dans nos têtes qu'ils le sont vraiment. C'est quelque chose à retenir. Mais... C'est un senseur, une espèce d'anticorps de tout esprit normal. Les senseurs parcourent l'esprit à la recherche de pensées étrangères. Hallucinations, manies, rêves éveillés. Les senseurs les traquent systématiquement et les éliminent. Pourquoi ils s'attaquent à moi ? Je suis pas une manie. Non, mais tu es étranger à mon cerveau. Tu n'as en réalité rien à faire ici. Oui, mais j'ai été attaqué dans ma propre tête. Oui, eh bien peut-être le tour mental a-t-il un défaut. Ou bien alors tu es fou. Nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, tire dessus. Bien, tu es fou. C'est une solution. Voilà, c'est ça. Je l'ai tué. Ce n'était qu'une de mes pensées, et il n'est pas mort. Il a simplement repris sa forme de base. Énergie psychique brute. Va l'absorber. C'est bon pour ta santé mentale. En absorbant cette énergie, ta santé mentale augmente. Mais quand tu tires, tu dépenses de la volonté pour causer des dégâts. Alors reste à l'affût de ces petits concentrés d'agressivité psychique à l'état brut. Absorbe-les aussi pour toujours disposer d'assez de puissance de feu. Je vais laisser la machine allumée pour que tu t'entraînes. Tu dois abattre 1000 senseurs pour obtenir ton badge de tireur d'élite. Si tu reviens t'entraîner tous les jours, tu devrais avoir atteint ton quota d'ici 3 semaines. 3 semaines ? Mais je n'ai que quelques jours pour décrocher tous mes badges et devenir psychonaute. Rien ne sert de courir, mon jeune ami le lièvre. Entraîne-toi, doucement et prudemment. Oh, 1000. Bon bah ça va. Mais le truc qui se barre, reviens là. Oh, il y a des trucs là. Attends, je fais le tour. Nada, 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 parfait. Le rubiscube, c'était où? C'était au-dessus? Ah! Ça va durer une éternité. Je me demande c'était si pas je peux là. Accélérer les choses. Pas que je veux pas, hein, mais. Je sais plus où que c'est. C'est pas là, donc c'est en dessous. Merci. Attends, déjà en 6, ça fait quoi? Toujours pas assez vite. Ah oui, il donne de l'argent obligatoirement quand tu les tues. Raz, mais qu'est-ce que tu as fait? On n'a plus le contrôle. C'est le chaos. Je vais faire de mon mieux. Toi, reste ici et empêche-les de devenir trop nombreux. Ok, c'est à l'opposé. Donc en route. Passer par là juste pour y vérifier s'il n'y a pas de truc.
Rasputin, tu vois ces vannes? C'est de là que sortent les censeurs. Tire sur les vannes pour les fermer et reprendre le contrôle de cette zone. Si tu veux, mais après avoir ramassé tous les trucs. Ah bah non, il y a l'étoile. Ah, j'avais cru que... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Viens là, toi. Raconte-moi le lore. La défaite de Sacha. La première défaite. Ah là là, sa défaite, c'est la mort de sa maman. Terrible. Hop, le Mario Galaxy du game. Les étiquettes au même endroit, c'est marrant ça. Attends, avant d'activer les trucs, hein, tu m'excuseras, mais j'ai un peu le tour. Ces trucs là, ça ressemble tellement à rien. Voilà. Ah, ça nous fait tomber comme un caca la cinématique. Bien. Bon, tu les as tous eus. Une fuite et une autre apparaît. Bon, allez, il faut aussi s'occuper de celle-là. Tous les cas, le monde, on y retournera, hein, pas le choix. Pour ça, faudrait que je joue en off juste pour farmer la monnaie et débloquer l'aspiratoile. Comme ça, il y aurait zéro embrouille. Je pourrais jouer sans aucun souci. Après, il n'y a pas que ça, il y aura des compétences, des machins. Viens là, toi. Les endroits, j'ai pas accès, genre là. Attention ! Ah, il a tapé direct. Je pensais que j'aurais le temps de passer.
Là, j'ai le temps. Ah non, je pouvais pas y accéder. Ah, donc on va pas chercher à faire le niveau bien correctement. Nine. On les tue parce qu'ils nous font un peu de vie. Il ramasse juste le minimum pour gagner du rang. Et vos pouvoirs au rang 20. Pas dû l'activer, mais j'ai le temps, je pense. Ça doit être deux par zone. Là, c'est bon, on a toutes les valises. Je pense pas qu'il y en ait plus. Ah non, il en reste une. D'accord, au début je pensais que c'était 3 par zone. Mais non. Ah, je peux pas accéder là-haut. Hein. Ah, j'ai tiré tout sauf dans le bon truc. Pourquoi il a ça dans la tête, lui? La dernière valise. Ah bah, elle est sur le chemin. C'est terrible que les ennemis s'avancent vers moi pendant la cinématique. Je pense que pendant ce moment-là, il doit y avoir genre à l'opposé un... Ah, j'ai un nouveau pouvoir. Parfait. Il doit y avoir une zone où il y a une tirelire là. Avec un secret, mais on va pas chercher ça. On va pas s'amuser à faire le tour du monde. Là, il n'y a rien. Finalement, je regarde quand même. La maladie. Voilà, il n'y a rien. Mais j'en ai souvenir de ça, que pendant une certaine étape, si tu vas à l'opposé, tu as accès à un tirelire. Ça y est, j'ai complètement fermé toutes les sorties de senseur de Sacha. Je suis pressé de le lui dire. Jeune homme, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Oh ça oui, que tirer sur des trucs est marrant et utile. Non, que si on perd le contrôle de son esprit, il est très dur de le reprendre. Oui, il faut contrôler ses pensées à 100% en permanence. Non, en fait, si on essaye de supprimer totalement les pensées indésirables,
Elles montent et montent et finissent par exploser. Oh. Et qu'est-ce qui arriverait si on bloquait complètement toutes les sorties des senseurs? Eh bien, il y aurait une accumulation d'énergie de censure. Et ça, finirait par... Cours, Rasputin, à toutes jambes. C'est moi qui t'ai engendré. Arrête-toi, je l'ordonne. Ah, Rasputin, l'heure est venue de mériter ton badge. Salut, je vais juste voir à l'opposé, hein. Taper avec des coups normaux, bah voilà. Épaule-moi et repose-moi. Assez. Ah. Assez joué, Rasputin. Détruis-le. Il regagne de la vie à chaque fois. Pourquoi? Ah, les senseurs, ils suicident sur lui et le re-soignent. Ok. Les petits senseurs ravitaillent le gros en énergie. Assez. Pas là, pas là. Et là. Ça doit être le dernier, je pense. Le problème, c'est qu'il y a les petits qui viennent sur moi et j'arrive pas à les loquer. Excellent. Tu as fermé les vannes, il ne peut plus être alimenté. Maintenant, détruis-le. Voilà. Alors, c'est là qu'il y a un discours et que je passe à un autre cours? Non. Tiens, voilà ton badge. Et qu'on ne parle plus jamais de ça. On va chercher le nouveau pouvoir au passage. On s'arrêtera là. Tirer sur d'autres trucs. D'accord, d'accord, mais plus dans mon esprit. Oublions mon esprit un moment si on retournait dans le tien, hein? Approche-toi du tour mental quand tu seras prêt. Non merci. Hop, on va aller voir le coco. Où voulez-vous que je vous amène, agent Kruller? Et on va s'arrêter là. Allons chez Ford. Enfin, je veux dire, à mon sanctuaire. Oui, noble psychomètre. Comme ça, il sera une heure pile et ça sera parfait. En récompense de ton travail, de ton dévouement, de ta bravoure et de ton agilité mentale, j'ai le grand honneur de te remettre le badge officiel de télékinésie. La télékinésie permet à l'esprit de saisir un objet et de le lancer. Vas-y, essaie. C'est l'heure de sortir les poubelles. Dur d'avoir... Oh, bien lancé. Maintenant, voyons si tu peux lancer dans le cerceau.
Ça me rappelle mon père. Et j'ai réfléchi à ça. Pourquoi est-ce qu'il déteste autant les psychiques? Qu'est-ce qu'on a bien pu lui faire? Eh bien, des psychiques ont tué toute sa famille. Ils ont maudit toute sa lignée et on doit tous mourir dans l'eau. Oh! Ouais. Tu parles d'un poulet! Ouais, c'est clair. Et vous savez le plus drôle? C'est que je suis presque sûr qu'il est lui-même psychique. Ha! Coucou! Tu pourras t'entraîner sur lui après la colo. Pour l'instant, au cerceau! Oh, joli tir! Essaie de recommencer dans le cerceau, Rasputin! Ah, non, c'est quand même... Bingo! Mais... Allez, une dernière! Sois à la poubelle! Ouais, tu peux vraiment pas le rater, hein. Dès que tu t'approches, place autolock. Allez! Bon, je vais te montrer quelque chose. Soulève donc cette poubelle et vise le côté de la roulotte. Kaboom! Lancer quelque chose sur un mur est un peu plus efficace que de le lancer par terre, non? Oh non! Un autre de mes senseurs! Comment est-il arrivé là? On dirait qu'on a de la chance. Il ne t'a pas encore vu. Et si tu lui envoyais cette poubelle sur la tête? Allez! Utilise la télékinésie pour soulever la poubelle et lance-la sur ce senseur. Allez! Dans l'île! Les senseurs viennent de perdre un frère. Au prochain cours, on travaillera un peu plus sur tes calembours. Ben voilà! Bon. Bah on va s'arrêter là. On va juste retourner dans la zone de Sacha. Pour éviter les embrouilles. Du... Faut aller où? Tatatam. Changer mes horaires dans la description du stream. Maintenant, j'ai un peu des horaires fixes dans l'idée. Ah oui, c'est... Approchez-moi de la chambre de psycho-isolement géodésique. Reçu, forestier Kruller. Je pense pas qu'il y aura de cinématique entre deux. Regardez par un trou dans la cabane des filles. Je me cache. Voilà. Bon. On aura un peu avancé, un petit peu de galère au début dans ce que je devais faire tout ça. Faut dire que j'avais été à la mauvaise zone et je pense que j'aurais continué dans cette mauvaise zone. J'étais parti complètement à l'ouest dans l'histoire mentalement. Il n'y a pas de musique ici, bon bah, c'est la tristesse. On reprendra ici, donc, prochain stream. Généralement, je fais 22h30 ou 23h jusqu'à minuit et minuit 1h Psychonaut ou un peu plus tôt, 23h30. Ça dépend à quelle heure j'ai commencé le premier stream. Mais dans tous les cas, j'essaye de m'arrêter à 1h ou 1h30. Il est 1h pile. C'est parfait. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ah, juste pour dire... Oui, donc maintenant le planning c'est à 22h, enfin le premier stream, ça sera soit KH3, soit Disgaea, je ferai tourner ou pas, ça dépendra de là où j'en suis sur mon buzz dans Kingdom Hearts. Si je suis en mode tryhard et que là je suis dedans, je me dis bah prochain stream, je retourne directement dedans, sinon j'ai oublié les patterns. Ou sinon bah c'est un coup sur deux, Disgaea, l'autre Kingdom Hearts, c'est le soir, par contre c'est 100% Psychonaut. Voilà, voilà. Bon, bah merci d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne soirée et j'arrête ici. Voilà, voilà. Ça fait beaucoup de voilà. Hein. Hop, je coupe.